des pas de danse, des cris de joie, dans une ambiance fraternelle, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, a été l'atmosphère de l'adoration du dimanche 20 août au groupe scolaire Emmanuel. Débuté sous la coordination du premier responsable du ministère aux enfants de la CIMC Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Apoutry a conduit les enfants à élever des prières d'action de grâce au Seigneur avant de laisser la place à la louange. Le pasteur Boro Didi, missionnaire à Bonoua depuis 2000 avec une bergerie de 1010 disciples, a exhorté les enfants sur le bien fondé du partage à travers le livre de Matthieu 15, le verset 32. Son cœur bat d'amour et de compassion pour cette foule. Nous écoutons le cœur de Jésus et nous regardons ses mains agir, suivre son cœur pour donner à manger à la... à la foule. Tu as compris? Donc, le cœur de Jésus, dans le cœur de Jésus-Christ, nous entendons la compassion. Vous avez entendu ici? Vous avez compris ici? Tu as compris ici? Le cœur de Jésus, il y a de la compassion dans le cœur de Jésus que nous pouvons entendre. Et ses mains agissent parce que son cœur est plein de compassion. Et il nous demande de faire comme lui. Alléluia. Donc nous allons faire comme Jésus. Comme le Seigneur Jésus a partagé le pain à la foule dans le désert, lui également en a fait de même. Les enfants ont reçu chacun un cadeau de sa part. Soyez bénis, chers frères. Aujourd'hui, nous avons adoré le Seigneur. Et nous allons demander l'avis de certains participants. À vous la parole. Gloire à Dieu, nous sommes avec le frère Samuel. Frère Samuel, qu'est-ce que tu as retenu pendant l'adoration? J'ai compris qu'on doit imiter le Seigneur Jésus. Amen. Merci frère Samuel, sois béni. Gloire à Dieu, nous sommes avec la sœur Grâce Emmanuela. Sœur Grâce Emmanuela, qu'est-ce que tu as compris pendant l'adoration? J'ai retenu qu'on doit former des disciples, on doit faire des disciples, on doit partager tout avec ton ami. Amen. Merci Sœur Grâce Emmanuela, sois bénie. Gloire à Dieu, nous sommes avec la Sœur Péniel. Sœur Péniel, qu'est-ce que tu as retenu pendant l'adoration? Ce que j'ai retenu ce matin pendant l'adoration, quand ils ont envoyé des cartons de biscuits, j'étais tellement contente jusqu'à quand je les ai bénis. Et il faut aussi partager, c'est ce qui... le pasteur Apoutry nous a dit, comme ils nous ont envoyé des paquets, des plaquettes de biscuits, il faut que nous aussi on doit partager. Gloire à Dieu, nous sommes avec la sœur Marilyn. Sœur Marilyn, qu'est-ce que tu as retenu pendant la adoration? J'ai retenu que Jésus était avec une foule et Jésus a décidé de leur donner du pain et il l'a distribué à tout le peuple parce qu'il était fier du peuple. Sois bénie, sœur Marie-Lise. Amen. Merci de rester fidèle à la RTVC, la chaîne de la Bible.